Phase 2, on parle des lames, ça je ferai. Alors, les lames, donc tu nous as fait des essais, ouais. Il me semble. Tu nous les montres et tu en parles et tu m'expliques les problèmes de cémentation, s'il te plaît. Alors, j'ai fait donc 4 essais. Donc, 2 lames crantées et 2 lames lisses. Et en fait, sur le premier essai, j'ai cémenté 2 fois et ensuite appliqué un traitement thermique. Alors, c'est-à-dire que la cémentation, ouais, c'est un apport de carbone en surface. On va chauffer la pièce à 900 degrés à peu près. Mmh. On va la recouvrir de cémentation, la laisser refroidir. Et puis, on va la rechauffer et la tremper dans l'eau pour lui appliquer le traitement thermique. Donc ça, c'est le premier essai. Le deuxième essai, en fait, j'ai cémenté qu'une fois et j'ai eu l'impression que le deuxième essai était plus... Enfin, avec un coup de lime pour voir si la surface était assez dure, en fait, j'ai l'impression que le deuxième essai est plus dur en surface que le premier. Alors, est-ce que le fait de rechauffer deux fois, est-ce que la cémentation... ça l'altère ou pas, je sais pas, après il faudra voir peut-être au niveau des tests de résistance, oui, ou voir ce qui irait le mieux, quoi. Et donc là, toi t'es passé, au début t'avais apporté du carbone classiquement, c'est-à-dire une fois que c'était chaud, une fois chauffé. Bon, en fait j'avais essayé avec la technique traditionnelle, quoi, comme on voit dans certains écrits, c'est-à-dire apporter du carbone, genre de la poudre de charbon de bois, de frotter, la corne broyée, la suie, et j'ai pas obtenu des résultats extraordinaires, quoi. Ok, donc on va passer à de l'apport carboné en ce que tu me disais en poudre fermentée, ouais. Ouais, okay, pour obtenir quelque chose de plus rigide, enfin dur en tout cas. Comment ça s'est passé la forge et comment est-ce que tu envisages de passer de créer la forge pour les grandes lames? Et ben en fait, je vais partir d'une section en U que j'ai dans mes chutes d'atelier. Oui, je vais la percer. Avec un peu ce système là en fait, mm-hmm, sauf que ça va être sur une longueur d'1m50 voire, oui, 2m, et en fait je vais créer un système de soufflerie par dessous qui va permettre de chauffer sur une longueur assez conséquente, et donc on pourra cémenter des longueurs importantes à la fois, quoi. Ok, tu es obligé de le faire en extérieur là je vais être obligé de le faire en extérieur, ouais. Ok. Quels sont à ton avis les problèmes que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré? Histoire de leur ça parler. Ça risque d'être un peu la déformation de l'acier à la chauffe et puis surtout la, oui, manipulation. Mais bon, après, comme c'est juste cémenté en surface, on garde quand même une lame assez flexible, oui, donc on pourra redresser assez facilement. Et puis le deuxième problème qu'on va sûrement rencontrer, c'est quand on va vouloir rassembler les deux morceaux de lame qui vont faire 1m50 ou 2m, c'est que tout l'endroit où ça aurait été trempé, oui, en fait va se détremper au niveau de la soudure, quoi. Est-ce qu'on peut envisager de ne pas tremper une partie pour la tremper ultérieurement après? Ça veut dire, tu sais, laisser par exemple cette partie pas trempée, mm-hmm, tu vois, et après quand tu vas faire la soudure, la tremper ultérieurement. Le truc en fait, c'est que... On va avoir une cassure ou un problème d'uniformité. Parce qu'en fait, le fait de rechauffer à cet endroit-là, oui, même si c'est pas rouge ici, ça va impliquer un revenu en fait sur le reste. Je sais pas trop. J'ai regardé des techniques de trempe sélective. C'est-à-dire d'appliquer éventuellement de l'argile. Oui. Sur les endroits qui ont déjà été trempés, mais je suis, ouais, je suis pas sûr du résultat. Après, je pense qu'on aura, on a très peu de, on n'aura pas le souci d'une cassure, oui, parce qu'en fait, quand on sera sur un matériau quand même assez souple. Et c'est pas, oui, comme si toute la structure de l'acier avait été modifiée, ouais, par la trempe. Ça sera vraiment que si on avait eu deux aciers durs trempés à cœur, c'est sûr que là, on aurait peut-être eu des problèmes de cassure. Mais là, d'où les grandes sections qu'ils faisaient à l'époque. Ouais.